Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En décembre 1738, un dénommé Charles Valin a trouvé la mort dans des circonstances qui semblent un peu assez terribles. Il est mort au cours d'une bagarre impliquant 9 soldats. Et je dois regarder mes notes, évidemment, pour nommer tous ces noms-là. Donc, parmi les accusés, on retrouve Jean-Baptiste Bourdin, dit Montmartre, Camille Roger, dit Lagarenne, Antoine Fouché, dit La Jeunesse, et Jacques Albert, dit Vadeboncœur, ainsi que Jacques Hervé, dit La Volonté, et René Dussault, dit Joyeux. Donc, ils ont été accusés de ce meurtre-là. On ne connaît malheureusement pas le dénouement. Est-ce qu'ils ont été reconnus coupables ou est-ce qu'ils ont même reçu une sentence? On l'ignore. Mais le motif, apparemment, serait un homicide pour vengeance, donc un meurtre par vengeance, parce qu'on sait que si c'est par vengeance, ça a été imaginé à l'avance, donc prémédité. Alors, on peut parler de meurtre à ce moment-là. Évidemment, c'est un meurtre aussi qui pourrait se classer dans la catégorie des homicides cautionnés par un groupe, parce que là, on parle d'au moins 9 soldats, et ce serait apparemment, ces soldats-là auraient voulu se venger d'une querelle de 3 des leurs. Dans le fond, 3 soldats auparavant auraient été impliqués quelques jours auparavant. Ce serait querellé avec des habitants du village à propos du prix d'un quartier de bœuf. Donc, vous allez me dire peut-être que c'est un peu ridicule comme motif. Mais oui, c'est ça, ça arrive. Il y a des meurtres qui se commettent pour des motifs assez légers, même, voire gratuits. Alors, c'est ça, c'est un meurtre par vengeance. Jusqu'à maintenant, on n'en a quand même pas vu beaucoup. Des meurtres cautionnés par un groupe, ça oui, par contre, il y en a même qui ont pu nous échapper, qui peuvent avoir été commis sans qu'on le sache aujourd'hui, là, parce que tout n'a pas été documenté, évidemment. Avec l'arrivée des coronaires, on va voir que c'est peut-être pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. On va en répertorier beaucoup plus. Évidemment, c'est une question de population aussi. La population était moins nombreuse à l'époque de la Nouvelle-France, donc voilà. Alors, ce pauvre petit Charles Valin a été tué à l'ancienne Lorette, dois-je le rappeler, dans la région de Québec. Bonne journée.